Bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, bravo d'être présents à cette journée marathon pour les résultats. Donc, voici les résultats pour la Seyne-sur-Mer. Frédéric Boccaletti arrive en premier avec 27,85% des voix. En deuxième, c'est Cécile Muscotti qui a un pourcentage de 23,19%. Au niveau de la circonscription, donc, les résultats arriveront ville par ville et sont centralisés en préfecture. Mais si je peux vous dire un mot, ce qui est important, c'est sur le premier tour, la logique du scrutin du premier tour, c'est vraiment ce sur quoi se fonde la Ve République, c'est-à-dire qu'au premier tour, on vote pour ses convictions, mais on se prépare déjà à s'organiser pour le deuxième tour. Parce qu'au second tour, on va vraisemblablement voter pour celui qui sera le plus à même de rassembler sur nos valeurs. J'ai soutenu Romain Vincent, que je félicite pour la qualité de sa campagne au premier tour, dont le résultat ne permettra sans doute pas d'être au second tour. Je tiens à saluer le score de Basma Bouchkara, conseillère municipale, pour la NUPES et qui a fait un excellent score sur la Seyne-sur-Mer. Pour le second tour, j'appelle à voter pour Cécile Muscotti. Merci de cet encouragement. Aujourd'hui, la France et les Français font face à des défis économiques et sociaux qui dessineront les contours de la France de demain. Cette France doit être celle des territoires qui valorise ses habitants et ses talents dans une dynamique globale et nationale. Dans l'intérêt de notre circonscription, nous devons réunir nos concitoyens autour des enjeux locaux plutôt que de les confronter. Nous devons construire un projet cohérent en saisissant les opportunités territoriales qui valorise nos communes et ses richesses. Forte de cette ambition, mon soutien à Cécile Muscotti est sans ambiguïté. Pour autant, il ne s'agit pas d'un chèque en blanc. Dans une démarche constructive, je ne cesserai de lui rappeler les engagements qu'elle a pris envers le territoire et ses habitants. Je vous souhaite maintenant une belle soirée. Je pense que nous l'avons tous bien mérité. Bonne soirée.